La découverte de la Terre est en fait achevée. Celle de l'homme continue dans la diversité et l'étendue de son environnement. Un homme, un seul, a réussi à conquérir les océans désertiques et les espaces du Tassili. Un homme, enfant des mystères et des mythes, on l'appelle le Targhi. Tassili minéral, depuis toujours fondu dans un espace sans limite, où la vie semble suspendue, comme effacée, rayée de ces espaces sahariens désertiques, espaces où seuls vents dans leur fureur ne connaissent pas d'obstacles. Espace de dunes s'étendant sur des dizaines de kilomètres, refusant à l'homme toute survie. Dunes nues, ignorant le végétal et l'enracinement. Espace de sable doré poursuivant leur œuvre, dessinant leur toile panoramique, épousant les formes de ces dunes et avançant au gré des vents sahariens. Le Sahara, cet espace singulier, n'est pas seulement sable et dunes de sable, mais aussi masse énorme et plateaux rocailleux, s'étendant sur des distances considérables. Il nous faut cependant dépasser la vision qu'offrent ces paysages pour enfin découvrir, au milieu de cette nature hostile, le célèbre massif du Tassili qui occupe une vaste partie de ces espaces singuliers. La magie du lieu nous transporte soudain sur une autre planète, alors que nous ne sommes qu'à 2000 km d'Alger, au milieu d'un décor naturel, situé au sud-est du massif du Hoggar. Visiter le Tassili est une découverte géographique. Visiter le Tassili, c'est aussi accepter une invitation au voyage dans l'histoire et la préhistoire de l'Algérie. Un voyage singulier, une quête de l'aventure qui, par la grâce d'une force secrète, vous poussera en avant. I'm gonna be my shot, the sunny, the shine, the blue, the sunny, the night.
vous voilà face à des monts aux formes étranges, parfois hommes, parfois bêtes. Jabara est considéré comme l'une des plus belles illustrations de l'art préhistorique. Plus de 50 000 fresques y représentent l'homme sous la forme masse ronde, sans yeux, parfois sans bouche, ni nez. À mesure que l'on pénètre à l'intérieur de ces vastes grottes-refuges, de ces couloirs, apparaissent les couleurs et les trouvailles de l'homme premier, qui, pour protéger son œuvre de la nature hostile et du sable, a choisi les parois de ces grottes comme espace de travail. Les peintures montrent que loin d'être cet espace désertique que nous connaissons aujourd'hui, le Sahara était, il y a bien longtemps, recouvert d'une flore diverse et peuplé d'une faune nombreuse. Un environnement où l'homme vivait en communion avec la nature. Sa maison, la zriba, on recourait à des matériaux naturels tels que la paille, les troncs d'arbres sculptés et les pierres en guise de mur. Les dimensions de la zriba différaient. Ainsi, on trouvait de petites zribas comme on pouvait en trouver de plus grandes. La zriba était pourvue d'une entrée que l'on laissait ouverte en été afin de profiter d'une certaine fraîcheur.
Une place de choix était réservée et haute à leurs convives. Ainsi, le lieu qui devait les accueillir était décoré. Et l'invité occupait toujours le meilleur lit. De riches tapis aux couleurs chatoyantes étaient étendus à son honneur. Dans la région du Tassili, l'artisanat occupe une place d'exception. En effet, il est l'âme du Tassili. Le Tassili Najer, patrimoine historique éternel, richesse naturelle unique, vous surprend et vous étonne. Voici une source d'eau pure se déversant dans cet Ihrir, une ressource hydrique inépuisable que la plupart des monts du Sahara recèlent, afin que s'étanche la soif et que renaisse la vie. Ne soyez pas surpris, vous n'êtes pas dans un parc zoologique. Ce qui s'offre à votre vue, c'est bien la vie en totale liberté que cette faune a choisi de vivre dans une harmonie totale. Ce mouflon, par exemple, s'est adapté au rude climat de la région. Ces gazelles, pleines d'énergie et de vitalité aussi. Les voilà qu'elles traversent ces dunes de sable à une vitesse impressionnante, tandis que de nombreuses espèces d'oiseaux colorent le ciel saharien. On croirait que tous les oiseaux du monde ont migré vers ce lieu pour s'y réunir dans une totale communion. On peut également croiser des animaux dont la présence en ces lieux peut surprendre. Ces cigognes sont en effet des oiseaux bien inattendus en ce lieu. Voilà bien un patrimoine éternel. Dans le Tassili, ces deux-là forment une paire inséparable. Il s'agit de l'homme et du chameau. Une qualité les unit, l'endurance, celle qui permet d'affronter l'hostilité de la nature. Ici, on n'est pas riche par l'étendue de terre que l'on possède, mais par le nombre de chameaux que l'on a. Qui ne possède pas de chameau n'est pas seigneur des steppes. Les Touaregs sont éleveurs de chameaux. Ils accordent une importance capitale au sellage de leurs montures.
Il ne s'agit pas pour le targhee d'un signe extérieur de richesse, mais plutôt de maintenir le niveau de sa forme physique. La réputation d'un targhee se calculant à l'aune de son apparence. Il accorde une importance particulière au choix de la selle de sa monture et à la qualité des matériaux ayant servi à sa fabrication. Après avoir préparé le chameau, le targhee se prépare à le monter, ce qui, à l'évidence, lui est un jeu d'enfant, alors que l'on peut trouver toutes les difficultés du monde à l'imiter. S'asseoir sur la selle nécessite en effet une habileté particulière. Tous les chameaux portent sur le cou la marque de leur propriétaire ainsi que le nom de la tribu à laquelle ce dernier appartient. Le chameau est le symbole de l'endurance, le compagnon d'infortune du targhee durant les longues traversées. Le chameau peut en effet demeurer 7 jours sans boire. Il pourra en outre se contenter d'une petite quantité d'avoine. Les Touaregs sont connus pour affectionner tout particulièrement les courses de chameaux. L'occasion pour ce couple d'inséparables que forment l'homme et sa monture de profiter de quelques moments de détente et de gaieté partagée. Au clair de la lune, au milieu de cet espace majestueux, une vieille targhee joue, comme toutes les femmes targhees, de l'imzad. La vie affective de la targhee est basée sur cet instrument qui est une arme aux mains de la femme targhee, laquelle sait en jouer à la perfection. Qui sait jouer de l'imzad possédera le cœur et l'âme de l'homme. Car comment montrer autrement ce que l'on ressent lorsque les mots ne suffisent plus à exprimer la joie et les espoirs ? La femme targhee est d'une beauté ensorcelante. Sa peau brune est douce, son front est d'un ovale parfait et ses mouvements sont pleins de grâce. Son costume, inspiré des traditions vestimentaires de la région, porte la marque d'une élégance rare,
et sous son sourire enjôleur se dessine une dentition parfaite. La femme Turgui accorde une grande importance à son apparence physique. Ainsi, elle commence par démêler sa chevelure au moyen d'un petit couteau trempé dans du sable et du charbon de bois, puis démêle les mèches de cheveux au moyen d'un couteau trempé dans de l'eau et du beurre. Dans un but hygiénique, la femme sahraoui cercle ses yeux de kohl depuis la base des cils jusqu'aux sourcils. Autre pratique esthétique, la femme Turgui s'enduit d'une sorte d'argile jaune ou marron et se pare de lourds bijoux en argent tels que colliers, boucles d'oreilles et fibules. Ensuite, la Turgui dessine sur son visage différents motifs afin de l'égayer, sans oublier bien sûr d'orner ses lèvres de lilas pour ainsi achever son maquillage. Nous ne pouvons clore cette histoire qui, pour aussi imaginaire qu'elle soit, pourrait être authentique, sans parler de la mythique Sbiba dont il faut toujours fêter l'arrivée. Les festivités s'ouvrent en fin d'après-midi et se poursuivent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Comme chaque année, les habitants du Tassili Niger, notamment les tribus Mahan et Azilouez, fêtent la Sbiba. C'est une fête traditionnelle commémorant la paix scellée entre Pharaon et Moïse, que la paix soit sur lui, après que ce dernier eut vaincu le roi d'Égypte.
Depuis ce jour mémorable, les Tergui fêtent Biba qui coïncide à peu de jours près avec la fête religieuse de Ashura. Lors de la Sbiba, les femmes en habit traditionnel s'avancent, illustrant par leur costume la richesse d'une culture historique que leur peuple a réussi à préserver. Puis s'avancent les hommes, habillés en guerriers masqués, l'épée à la main. Tous se réunissent sur le sable, au bord d'un cours d'eau. Les femmes, formant de petits groupes décrivant des cercles, exécutent une danse traditionnelle, s'avançant puis reculant tour à tour, tout en chantant et en tapant sur des tambours. Quant aux hommes, leur danse guerrière consiste à bondir et à faire des gestes de la main gauche, semblant espérer la paix, mais préparant la guerre. Les danses guerrières mais festives de Sbiba s'achèvent sur la réconciliation des tribus et annoncent les festivités de l'année suivante. La nature sauvage de cette région offre un moment de beauté exceptionnel, la beauté mythique et muette de ces lieux. Le Tassili Nager, c'est la magie de la rencontre des civilisations. Nous quittons la région avec en nous déjà la nostalgie du lieu et l'envie d'y revenir.